présence des autres ministères partenaires, parce que vous savez que des maladies à transmission vectorielle peuvent être impactées par différents secteurs d'activité. À l'occasion de la tenue des travaux de la deuxième réunion du comité consultatif sur la lutte antivectorielle, qui se fait dans le cadre du programme PIVEC. PIVEC qui signifie en anglais Partnership for Increasing the Impact of Vector Control, a développé des solutions durables et des partenariats pour réduire le fardeau de ces maladies à transmission vectorielle. L'une des actions majeures du programme PIVEC a été la mise sur pied du groupe consultatif technique sur la lutte antivectorielle TVCA. Oui, ceci au Cameroun, en Afrique centrale, mais aussi de manière pilote, cela s'est mis sur pied au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, au Malawi, en Afrique australe. Supported by their British counterparts to develop sustainable solutions for vector control through strong partnership between the various actors in the field, in order to reduce the burden of these vector-borne diseases. The contribution of the PIVEC program in the fight against vector-borne diseases is clearly visible in Cameroon. La collaboration entre le GRIP, that is the Center for Research in Infectious Diseases, and the Ministry of Health a été marquée par un grand moment dans le cadre du projet ou du programme PIVEC. That is why we are here to encourage also our partnership with the Center for Research in Infectious Diseases. This is the second plenary. With various stakeholders, because we know that alone we cannot win the battle. It's a challenging battle. We need to work in partnership. That's why you have to say le renforcement de capacité, que cela soit institutionnel. Un institut, par exemple, comme le CRI, reçoit, n'est-ce pas, du renforcement actuellement. L'ensemble des deux journées de travaux qu'on a fait avait abouti à plusieurs conclusions. Donc, je vais vous en donner quelques-unes. Tout le monde était d'accord que ça a été une grande opportunité vraiment de réussir les chercheurs, de réunir les chercheurs qui travaillent parfois dans le même domaine et qui ne se connaissent pas, et surtout d'établir vraiment des grands réseaux entre eux. Et lorsqu'on a analysé les données,
should we continue with TVK? If yes, how should we continue? Looking forward to a formal collaboration with TVCAC that will also permit the Ministry of Scientific Research to act as a bridge towards obtaining funds from international partners in order to finance the research activities carried out by TVCAC. I said it's in our interest to promote collaboration between all stakeholders involved in the fight against vector-borne diseases. And CRIT has proven to us that they are a potential and serious partner in the fight against vector-borne diseases. We have noticed the quality of research projects carried out by their research fellows, and we want to see this can only go a long way to promote and foster this collaboration between the Ministry of Public Health and the Center for Research in Infectious Diseases under the PVEC program.